Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et durant cette heure, nous allons parler principalement d'Adobe Première Rush. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Euh, bonjour et bienvenue à nouveau pour les habitués de la chaîne. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne YouTube Adobe France, euh, c'est une chaîne sur laquelle nous allons faire le tour de vos applications Creative Cloud, euh, sur laquelle nous allons aussi recevoir très régulièrement, le plus régulièrement, possible d'ailleurs des artistes euh, inspirants euh, qui pourront vous donner et eh bien leur point de vue la manière de dont ils se servent de nos applications nous avons eu euh, il y a deux heures une petite session sur euh, l'ensemble du Creative Cloud je vous ai fait pas mal de retours sur la euh, sur la chaîne YouTube donc on est repassé euh, regarder les travaux de Caroline Attia euh, de euh, Jérémy Clais d'Alexandre Soubrier etc etc pas mal de monde euh, n'hésitez pas donc à regarder ce qui se fait, parce que vous avez le direct, c'est en live, donc bonjour Nuclel, bonjour Stéphane, bonjour Alexandre, mais vous avez aussi les différés, vous pouvez toujours vous interrompre un tout petit peu et puis revenir prochainement pour compléter, et puis je l'espère pour trouver des sujets et des contenus qui vous intéressent, qui correspondent à ceux dont vous avez besoin pour créer, pour continuer de réaliser vos, vos créations. Bien entendu, on travaille sur euh, différents sujets, différents niveaux. On travaille notamment euh, sur les applications en tant que telles. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans telle ou telle application Aujourd'hui, on va parler de première Rush. Euh, mais on va aussi parler eh bien de l'application en général, pas forcément des nouveautés. Comprendre un petit peu euh, ce qu'est Rush, comment il fonctionne sur votre, euh, sur votre ordinateur de bureau, évidemment, c'est une de nos applications récentes. Mais aussi comprendre comment euh, première rush peut fonctionner sur les euh, sur les sur des tablettes et sur des smartphones et vous allez voir que moi je m'en sers principalement et eh bien sur deux types d'usages différents soit les sujets que je vais filmer euh, moi-même avec le smartphone parce que j'ai pas de j'ai pas de grosse caméra euh, je sais que les utilisateurs de euh, les utilisateurs de caméra pro vont eux monter plutôt sur première pro mais par contre eh bien parfois on est sur un événement on a une interview à mettre en place etc on va pouvoir préférer utiliser du matos un peu plus léger et on, je vais vous montrer justement comment on met ça en, en fonctionnement ensuite euh, l'autre point que moi j'utilise avec lequel j'utilise euh, rush ça va être le fonctionnement sur des euh, sur des, des timelapses de dessins euh, sur lesquels je vais pouvoir euh, couper rapidement, accélérer etc et ça ça fait partie euh, des sujets qui sont, euh, qui sont euh, euh, pour moi primordiaux et qui vont être faciles euh, à prendre en main je vous reparlerai en plus général du contexte autour de Premiere Rush. Euh, je vous parlerai du, du lien, en fait, de la parenté que je vois avec Lightroom CC, par exemple, euh, un petit peu plus tard dans la session. Aujourd'hui, euh, ne vous attendez pas non plus à voir des super vidéos euh, hyper inspirantes de, de, de surf ou de snowboard ou autre. Je ne fais pas ça, j'en ai pas forcément en stock. Euh, je vais avoir des vidéos beaucoup plus basiques. Euh, mais qui devrait vous servir, <coughs> qui devrait vous permettre eh bien, de comprendre euh, le fonctionnement <coughs> derrière. Je vous laisserai évidemment transposer euh, à vos propres sujets, que vous puissiez eh bien retrouver euh, le... que vous puissiez retrouver et, euh, des et adapter en fait à vos contenus à vous. Euh, sur ce, je vais vous partager mon écran et je vais vous parler. Quelques instants seulement de vidéo. Hop, je me mets dans un coin, check, on va se mettre comme ça, même plus petit, ce sera bien. Euh, donc je vous parle quelques instants de vidéo, vous connaissez forcément Premiere Pro, ou au moins de nom, j'espère. Et euh, Première Pro, donc c'est l'application Pro, c'est l'application qui est capable de gérer des tonnes de caméras. C'est l'application sur laquelle vous allez avoir notamment, <coughs> et bien des intégrations avec After Effects pour le, tous les gens qui font un petit peu de VFX, c'est hyper important. J'ai fait sur la chaîne YouTube Adobe France très régulièrement des sujets autour de Première, que ce soit des sujets d'initiation, mais que ce soit aussi des sujets d'inspiration. Et notamment quand vous allez regarder les sujets d'initiation, donc Jimmy Pichon que j'ai reçu <coughs> a donné une des, une des sessions qui a été le plus regardée chez nous sur ce, sur ce sujet-là. Vraiment de la formation, des petits trucs et astuces, etc. J'ai reçu Guillaume Desjardins, des parasites de rouge vert bleu. Euh, j'ai reçu euh, Aurélie Mono qui était présente avec nous. Fouad de euh, Voilà, voilà, on a reçu plein de monde. Nicolas Burnage qui est venu nous montrer comment il faisait du montage de clips à l'intérieur de Première. Euh, énormément, énormément de gens, énormément d'utilisations différentes de l'application. Donc j'espère que vous pourrez retrouver tout ce contenu sur la chaîne. Bien entendu, euh, si c'est la première fois que vous venez, n'hésitez pas à vous abonner, euh, ne serait-ce que pour savoir ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Notamment, et eh bien comme je vous l'ai euh, annoncé. Euh, tout à l'heure, on va avoir une, un sujet sur le dessin, de motif textile, Illustrator Photoshop la semaine prochaine. Revenons à nos moutons. Nos moutons, ce sont des applications et euh, ce sont des applications autour de la vidéo. Euh, ici, je suis volontairement sur la page d'Adobe Premiere Pro, qui est notre logiciel pro euh, qui sert dans les salles de montage, dans les rédactions. Euh, vous seriez surpris de savoir qu'il euh, y a pas mal de contenus en direct qui sont gérés euh, depuis un Premiere euh, dans des grandes rédactions rédaction télé euh, évidemment l'avantage la force de première c'est d'être capable d'ingérer les différents euh, les différents fichiers par exemple photoshop illustrator after effects mais pas seulement de les ingérer d'être capable de, euh, de les traiter de manière automatisée et de traiter aussi différents types de caméras ça ça va être plutôt cool euh, Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être Première Rush. Première Rush, euh, je vois une première question d'ABS Blame qui dit, est-ce que c'est Première Pro sur téléphone Ouais. On va le résumer comme ça. Première rush, c'est première sur téléphone. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est première pro. Hein. Première pro, c'est des années et des années de, de nouvelles fonctions, de travail euh, très très dense. Et puis vous le savez sans doute, les téléphones portables auxquels vous avez accès maintenant sont beaucoup plus puissants que ceux auxquels vous aviez accès ne serait-ce qu'il y a 2, 3, 4 ans. Donc forcément, on est capable de faire plus de choses. Et. Euh, vous me demandez si c'est sur téléphone, euh, c'est pas que sur téléphone, c'est aussi sur tablette. C'est ce que je vais utiliser moi principalement avec vous aujourd'hui. Donc première rush. Quand vous allez le rechercher sur le site d'Adobe, en fait, il va vous présenter euh, d'abord filmer, monter, partager. Je vous reparlerai de ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'idée d'avoir tout sous la main. D'avoir euh, à la fois eh bien, le montage, c'est-à-dire le fait de filmer les éléments, de couper au bon endroit et de pouvoir les assembler dans l'ordre qui vous semble le plus pertinent. Mais il va être aussi utile pour réaliser ce qu'on appelle du titrage dessus, euh, pouvoir utiliser par exemple les, les tiers les bandeaux sur lesquels vous avez les noms des intervenants avec lesquels vous vous travaillez si vous faites des interviews par exemple savoir quel sportif vient de passer faire les faire les panneaux intermédiaires etc donc ça ça va vous être très utile on pense notamment à tous les gens qui sont sur des configurations type instagram IGTV youtube live etc sur lesquels vous avez envie d'être en direct où vous avez envie de proposer très enfin sans forcément être sur du direct de proposer très rapidement vos contenus ensuite euh, là dedans donc être capable de monter être capable de, de déplacer les contenus vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sont qui sont fondamentalement euh, simplifiées pour pouvoir travailler rapidement et euh, dernier petit point sur cette page complémentaire avec Premiere Pro parce que les projets Première Rush que vous allez mettre en place, eh bien vous pourrez les récupérer très facilement à l'intérieur de Premiere Pro. Il y a énormément de petits sous-menus là-dedans, on y reviendra plutôt après. Euh, moi, ce qui, qui m'intéresse là, à l'instant, c'est on a, donc comme vous avez vu, j'étais sur la page euh, adobe.com première rush, on a dans les fonctionnalités des nouvelles fonctionnalités, des nouveautés. Et la dernière grosse nouveauté, elle est arrivée sur la version du mois d'août 2019, c'est la possibilité de modifier la vitesse des éléments. Je vous reparlerai du reste un petit peu plus tard, donc euh, la version Android, euh, le fait que euh, il soit disponible dans d'autres langues, le travail sur les motion graphic templates, les améliorations au fur et à mesure sur le, le contenu, ça on en reparle tout à l'heure. Ce qui va nous intéresser dans la première partie de cette vidéo, c'est vraiment... La, le fait que dans la dernière version, donc qui est arrivée au mois d'août, et si je dis pas de bêtises, c'était quoi C'était le 20 ou quelque chose comme ça. Euh, le, le fait de pouvoir euh, accélérer ou ralentir une vidéo, et ça c'est pour moi un truc fondamental dans l'usage des vidéos. Alors pour répondre à ABS, est-ce euh, que Première Rush est gratuit ou payant Hop, je vais vous montrer, je vais pas tricher, on va aller chercher hop au bon endroit. Il, est, euh, il y a une version qu'on appelle la version DC qui est gratuite sur laquelle vous pouvez tester, vous pouvez regarder un petit peu comment ça marche. Vous avez besoin uniquement d'avoir un Adobe ID qui vous permettra de vous connecter et vous pourrez faire trois exportations. Donc, trois exportations, ça vous permet de faire trois bons films, de tester. Derrière, vous avez une version qui est payante, euh, mais qui aura les exportations en illimité, qui aura surtout en plus du stockage dans le cloud et accès à l'ensemble des Adobe Fonts. Et ça, ce sont des points qui vont être euh, primordiaux et qui vont vraiment les distinguer de ce que vous pouvez voir sur d'autres applications bah, gratuites, mais qui n'auraient peut-être pas euh, tous ces, tous ces accès-là. On en reparle tout à l'heure, mais euh, j'espère que j'ai répondu à votre, euh, à votre question. Donc, la possibilité de modifier la vitesse des éléments vidéo, en fait, elle va se faire de trois sur trois plateformes différentes. Hein, vous le savez bien maintenant. Premier rush, c'est disponible évidemment sur votre ordinateur, mais c'est disponible sur iOS et sur Android. Et vous allez pouvoir lui demander. Donc là, j'ouvre les trois pages en question. Euh, vous allez pouvoir lui demander en fait de prendre un contenu et de lui demander et eh bien d'accélérer ou de ralentir la vitesse, mais de manière vraiment facile. Donc euh, je vais tout simplement aller rechercher euh, QuickTime Player pour pouvoir vous partager ma tablette. Et sur ce QuickTime Player, on va faire ça, nouvel enregistrement vidéo sur l'iPad. J'espère que tout se passe bien. Jusqu'à présent, ça s'est plutôt pas mal passé. Et 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 check. Et on va faire... Partage internet, démarrer. Voilà. On va démarrer le partage internet parce que sinon, je vais avoir du mal à vous donner le reste. Donc là, je suis sur ma tablette. Euh, sur ma tablette, j'ai accès à Première Roche. Et sur la sur Première Rush, en fait, ce que j'aime bien sur la version tablette et que je voulais vous, vous présenter, euh, c'est que euh, je vais pouvoir voir mes projets, mais je vais avoir tout en bas, il y a un petit plus là en bas sous mon doigt, Check. et ce petit plus va me permettre de faire une photo ou une vidéo. Faire une photo, une vidéo, pourquoi je vous le présente là-dessus Alors d'abord parce que mon clavier est super crade, j'ai un peu honte mais c'est pas grave. Et euh, je peux le mettre en mode automatique avec très peu de réglages ou je peux le mettre en mode professionnel. Et dans le mode professionnel, eh bien, vous voyez apparaître en bas la, toute une, une petite euh, barre avec ici donc, le fait de verrouiller le, le cadrage et ici le fait de verrouiller la, la luminosité l'ouverture. Donc je vais pouvoir lui demander de gérer l'expo en automatique, c'est-à-dire que si je passe sur du très clair ou si je passe sur du très foncé, et eh bien il va adapter la luminosité du capteur. Mais je pourrais tout à fait lui dire non non, tu vas pas faire de la, de la luminosité automatique, ici je serai effectivement cramé. Et là, par contre, je suis, euh, je peux voir le détail, ok. Donc ça, ce sera vraiment à vous de gérer le contenu. Là, par, par contre, je peux lui demander de baisser les ISO, hop, et de conserver la lumière là-dedans. Je peux lui demander de corriger l'expo, voilà, correction d'expo, check. Donc là, je vois bien dessus, c'est moi qui l'ai déterminé. L'expo n'est pas automatique et maintenant, je ne vais pas avoir de changement de mon plan. Ça, c'est typiquement quand vous êtes en train de faire une vidéo de mariage, vous êtes super content de ne pas avoir ce changement d'expo. À l'entrée de l'église. Je ne sais plus qui avait parlé de ça sur internet il n'y a pas longtemps, mais pour moi c'était assez fondamental. L'autre point qui va être utile, c'est que vous allez pouvoir gérer la mise au point. Là elle est automatique, c'est-à-dire que si je suis très loin ou si je suis très près, eh bien mon ma caméra va faire la mise au point. Je peux lui dire en fait on va pas faire une mise au point automatique, on va faire une mise au point sur un point qui m'intéresse. Vous voyez ici je décide de faire le la focale sur le, le fond de la, de la salle, hop. Et je peux lui demander au contraire de faire la focale sur le premier plan. C'est moi qui détermine l'emplacement le plus adapté. Je vous montre ça parce que souvent on n'y pense pas trop. On se dit ouais, euh, c'est première, donc c'est que le montage. Mais n'oubliez pas que vous pouvez mettre en place vous pouvez mettre en place ça avec vos propres vidéos. Donc c'est certes le montage, mais c'est aussi la prise de vue. L'autre point, toujours dans les éléments du bas, donc c'est le zoom, ça, ça va dépendre de votre boîtier, et ça va être aussi la résolution. Ici, je suis sur, euh, sur l'iPad, euh, il n'est pas connu pour être la meilleure caméra du moment, mais euh, je peux lui dire, bah tiens, on va travailler qu'en 720p, et par contre, en 720p, je vais pouvoir faire du 60 images par seconde. Et je pourrais tout à fait m'amuser à dire... Hop, on va filmer. Voilà, j'ai filmé à 60 images par seconde. J'arrête mon, mon élément. Je vais pouvoir filmer, euh, on va peut-être le faire ici sur l'arrivée du clavier. Je vais changer l'obturation, check. Expo. Voilà, monter les iso un petit peu. Et baisser l'expo pouvoir se faire aider on peut lui laisser euh, on peut le laisser travailler dedans voilà tchac, attention on est prêt ça filme et là je suis en train de filmer à 60 images par seconde 720p c'est ce qui m'est indiqué ici vous voyez en bas à droite de mon premier pro donc vous le voyez ici vous le voyez à peine il euh, y a une petite icône qui me dit euh, là tu viens de faire deux médias donc je vais cliquer sur les deux, petits, les deux médias et il est en train de me préparer en fait, le contenu. Je reviendrai avec vous après sur, le, sur les, petites, les petites scénettes à côté. Quand je vais regarder mon contenu, alors vous allez voir, hein, ce n'est pas, pas de la grande réalisation, ce n'est pas Stanley Kubrick. Ici, j'ai shooté en, à 60 images par seconde. Euh, hop, voilà. Je shoote à 60 images par seconde. Ça me permet quoi Ça me permet de faire des belles accélérations. Ici, pour l'instant, ça bouge pas. Là, j'ai besoin de couper. Pouf, je coupe. Ça, je peux le supprimer. Corbeille. Je vais avancer dessus et j'ai le retour. Et là, c'est n'importe quoi à partir d'ici. Hop, je coupe et je m'occupe pas du reste. Pareil ici. Je me cale sur le bas. Alors, j'aurais pu régler la, la petite vibration avant. Ça aurait été plus malin, mais je l'ai pas fait. Donc, tant pis pour moi. Et je vais avoir donc la vue du haut. On grimpe et ensuite. On redescend et là j'hésite donc je peux couper la fin. Une fois que j'ai fait ça, je vous montre tout de suite parce que c'est quand même le gros point, enfin le, le, le point qui pour moi est crucial sur Premiere Pro, c'est que maintenant je vais pouvoir prendre du coup ma vidéo et vous allez voir sur le côté tout à droite de Premiere Rush, j'ai un petit bouton ici avec un espèce de petit compteur de vitesse. Ce petit bouton de vitesse en fait il va me permettre sur l'élément en question et eh bien de déterminer à quel moment on va changer la vitesse. Par exemple, j'aimerais bien en fait que cet extrait de vidéo ne dure pas deux secondes, mais j'aimerais bien qu'il dure, euh, qu'il soit beaucoup plus rapide. 300%, 200%, allez, on va mettre 300%. Je vais lire la vidéo, vous voyez qu'il va encore plus vite. Je peux lui demander, éventuellement, de prendre cet extrait-là, et au contraire, je peux lui demander de le, le diviser par deux. Diviser par deux, c'est-à-dire le mettre à 50%. Par exemple, ici, je vais taper... Mon, ma vitesse et j'ai besoin de lui mettre 50% donc je vais soit bouger le curseur à la main soit taper sur le petit chiffre 50 et lui donner une vraie version et là je vais pouvoir lui dire là on profite on prend le temps et on revient j'ai divisé par 2 la vitesse de mon montage ça va ça est-ce qu'il y a des utilisateurs de première rush parmi nous Est-ce que vous aviez vu passer les nouveautés sur l'adaptation la, de la vitesse Alors je vois qu'il y a des questions dans le chat, je vais lire, j'étais un petit peu en retard. <coughs> Donc pardon, oui, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Nuclel, Stéphane, Alex, Marco, Zilrox, euh, YouTube, ABS Blame, Macpella Productions, euh, Walid, Chaeb, Ski Studio. Alors Ski Studio était sur la session précédente, je pense. Bienvenue, on ne parle pas de ça aujourd'hui. <laughs> Vous regarderez la session d'avant sur le Creative Cloud pour comprendre de quoi nous parlons. Alors... Euh, donc, non, pas d'usage de première roche, c'est pas très très grave. Je vous, je vous le présenterai plus en détail après. Moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, vous voyez, c'est que je suis parti d'un euh, shoot à 60 fps et je l'ai diminué. Et je vais pouvoir faire de même donc, sur cette partie-là, hop, 50, entrée. Et donc, je vais avoir un shoot qui va être beaucoup plus long que ce qu'il n'avait qu au départ. Hop, je monte, ça bouge, c'est ralenti. Et on peut repartir. Ce qui va être intéressant pour moi, c'est que la prise en compte de la vitesse, en fait, elle n'est pas obligée de se faire sur toute la vidéo. Par exemple, ici, je trouve que là, le début, on peut être à la bonne vitesse, on peut être à telle. Et par contre, quand j'arrive sur le moment où je vais ralentir là, sur les petits potards de la, de la, de la table de montage, eh bien là, je sais que je vais avoir envie de ralentir. Donc je vais déplacer en haut mes petits curseurs et je vais lui dire en fait c'est ici qu'on va ralentir le contenu. Je vais pouvoir lui dire aussi à ah, une fois que c'est ralenti. Oups, pardon. Voilà. On va se mettre exactement au bon endroit. Je vais pouvoir lui dire aussi, hop, ici quand on est reparti, on va pouvoir revenir à une vitesse normale. Donc je vais reprendre mon curseur et je le bloque là où j'en ai besoin. Maintenant je regarde ma séquence. Hop. Là j'ai ralenti et là je suis reparti à vitesse normale. Vous allez me dire ouais ok c'est pas mal mais est-ce qu'on peut faire mieux que ça Donc est-ce qu'on peut faire mieux que ça Vous vous doutez bien que la réponse est oui on peut faire mieux que ça, hop, je peux revenir ici, tirer un petit peu, voilà, c'est qu'on va pouvoir lui demander là-dedans d'aller gérer ce qu'on appelle le dégradé de le dégradé de vitesse sur rush. Par exemple ici, je vais très vite, hop, on va se le relire, hop, très vite. Là je ralentis et là je repars rapidement. Je vais effacer mon deuxième rush pour l'instant. Hop, il va plus me troubler qu'autre chose. Donc quand je vais vouloir faire cette chose-là, quand je vais vouloir faire ce réglage, je vais pouvoir lui dire, mais en fait, ce qui moi m'intéresserait là-dedans, c'est que la vitesse, en fait le changement de vitesse, il soit progressif progressif comment je vais cliquer sur le dégradé et là vous voyez que la petite barre de vitesse qui était en bas qui était à plein à 50% en fait ici on va ralentir progressivement et on va revenir progressivement à la vitesse normale là comme ça le changement de vitesse sera imperceptible pour vous, et c'est la machine qui va compenser. Le, la valeur du, de ce qu'ils appellent le dégradé, ce changement de vitesse, eh bien, on va pouvoir lui demander de changer la durée, et par exemple, je peux dire, bah oui, mais j'ai besoin que de 0,2 secondes pour changer la durée de mon, de mon élément. Et maintenant, je peux regarder, j'ai bien à voir le changement et l'amorti, sur le point qui, moi, va m'intéresser dans ma vidéo. Et ça, ça va être super important pour vous, parce que c'est ça, c'est sur ça que vous vouliez focaliser. Alors, évidemment, là, j'ai fait une vidéo à l'arrache, j'ai fait une petite vidéo de présentation par rapport à la caméra de, de Rush, mais ce qui sera intéressant pour nous, eh bien, c'est que je vais pouvoir lui demander, par exemple, euh, si je vais dans mes téléchargements, et je ne dis pas de bêtises, voilà, j'ai tout un dossier ici avec des photos, aujourd'hui, date de l'ajout, Aujourd'hui, j'ai tout un dossier avec des photos, avec des vidéos dedans. Donc c'est énormément de petites vidéos, des vidéos qui vont plus ou moins vite, avec plus ou moins de contenu. C'est pour ceux à qui j'ai pas encore raconté mes vacances. Euh, je vous laisse deviner où ça peut avoir lieu. Et pour les gens qui sont les plus précis, euh, vous aurez gagné toute ma considération. Euh, là par exemple, je me cale, je vois baisser les barrières. J'aurais pu couper un tout petit peu avant, et on va voir tranquillement arriver un train. Sauf que l'arrivée du train, vous vous doutez bien, ça prend beaucoup de temps. Et donc, ces petites vidéos sur le sur le train, je vais venir les rajouter, non pas dans Rush sur ma tablette, je vais venir les rajouter dans Rush sur mon ordinateur de bureau. Donc, je lance Première Rush, et je vais lui dire, ben tiens, dans Première Rush, on va venir créer un projet. Je vais créer mon projet sur le bureau, et je vais d'ailleurs le mettre. Je vais l'appeler train Japon. Voilà. Non, c'est pas la Bavière, Marco. Je vais lui demander de récupérer les médias et de synchroniser avec le Creative Cloud. Je vais aller chercher sur le bureau, dans les fichiers. Alors pas dans les fichiers, justement. Je vais voir pour récupérer juste ces trois fichiers-là. Est-ce que je peux faire ça je vais mettre le dossier de photos sur le bureau, ce sera plus simple. Voilà. Donc je vais aller chercher mes différents rushs et je vais lui dire tiens, tu vas me prendre les rushs et je vais faire attention à un truc. Vous voyez, mes rushs sont numérotés. C'est facile. Du coup, je vais pouvoir prendre le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Mais je pourrais tout à fait lui dire, mais tiens, au fait, au milieu, tu me rajoutes un plan, euh, tu me rajoutes ce plan-là. Donc là, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4. Si je voulais avoir un, euh, un deux. 3-4, je pourrais le faire dans ce sens-là. Donc je vais pouvoir choisir en sélectionnant les différents, les différents plans, je vais pouvoir choisir comment je les ajoute à mon contenu. Donc je vais faire ça. Je vais rajouter mes trois plans et je vais lui demander donc de les synchroniser, euh, alors vous ne voyez pas parce que c'est juste derrière moi, de les synchroniser avec le Creative Cloud et de copier les médias. Donc il va conserver en fait ces différents médias, ils seront plus facilement accessibles pour moi par la suite. Je crée le projet, là en bas j'ai un petit bouton créer, on va zoomer sur le bouton créer. Et une fois que j'ai créé le projet, eh bien, il va préparer mes médias. Il va regarder quel est le, euh, quels sont les différents médias. Vous avez vu qu'il les avait rajoutés sur la timeline. Et ce qu'il fait derrière, hop, on va disparaître un petit peu pour voir un peu tout ça. Check, on va se mettre plus petit. Ce qu'il fait derrière sur ma timeline, eh c'est que je vais retrouver en fait mes différents éléments de montage. Donc ici c'est l'arrivée du train, j'aurais pu penser à m'éloigner d'un mètre juste avant, je ne l'ai pas fait, c'est ma faute, hein. c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois lors du passage du prochain train. Là c'est le moment où je commence à m'ennuyer à me dire qu'ils ont baissé les barrières beaucoup trop tôt. Hop, vous voyez, ça baisse les barrières, les barrières sont baissées, c'est super chiant, c'est vraiment la partie euh, la moins drôle du contenu. C'est tellement pas drôle que... Quand le train arrive, on va laisser là à peu près, je suis déjà blasé. Donc je suis déjà blasé, j'ai pris des photos et il s'est passé, passé autre chose pour moi entre temps. Donc euh, je peux tout à fait intégrer, et là je vais le faire en direct, hein, photo, je peux lui demander de rechercher Hachi Oji voilà je peux tout à fait lui demander d'aller chercher les photos du train là j'en ai une j'en ai gardé qu'une seule c'est bien aussi et télécharger ses photos donc on va prendre cette photo on va la télécharger puis on l'utilisera tout à l'heure jack d'ailleurs je me demande même un truc si je ne peux pas rajouter la photo, rajouter un média et aller chercher donc dans l'explorateur de médias et d'aller chercher dans mes fichiers Creative Cloud Files, je ne sais pas si je vais avoir accès à mes fichiers Lightroom d'ici. Non, je me rends compte que je n'avais même pas accès à mes fichiers Lightroom. C'est quand même pas de chance. Hop, bureau, on va prendre ce fichier, on va l'ajouter et vous voyez que ma tête de lecture, je vais la mettre ici entre les deux. J'ajoute mon média et il va me rajouter donc au milieu la petite, euh, la petite photo que je viens d'intégrer. Et donc cette photo est intégrée, il n'y a plus qu'à euh, qu lancer l'animation. Le... Qu donc ici il se passe rien. C'est super lent, j'ai pas stabilisé, euh, Roche fait pas de stab pour moi. Maintenant ce que je peux lui demander, eh c'est d'accélérer de, cette partie-là. Donc accélérer, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, bah, j'ai qu'à bouger le curseur et regardez comment ça bouge. Hop. Ici, pareil. On accélère, hop, ça bouge. Lecture. Ça clignote en mode, euh, en mode petit circuit de voiture. Je vous promets, le Japon, ce n'est pas que des petits circuits de voiture. Et à la fin, je vais pouvoir lui dire, bah, tiens, on va regarder comment ça remonte. Donc ici, on va pouvoir couper check, entre les deux. Donc l'arrivée, elle a besoin de clignoter à la vitesse qu'on vient de caler, 500%. Donc ça, je peux le faire. Hop 500. Par contre, j'ai pas besoin de clignoter aussi vite ici. Donc à partir d'ici, je vais pouvoir lui dire, mais en fait, toi qui es là, ici on est accéléré à 500%, là on n'est plus accéléré. Regardez bien ce que ça donne. Là on est accéléré, hop, ça remonte. Et là on reprend le rythme normal. Alors, si je reprends le rythme normal, vous allez me dire, ouais, j'aimerais bien faire peut-être une deuxième plage de vitesse dedans. Moi, je sais que c'était une de mes premières demandes quand j'ai vu ça. Je leur ai dit, ouais, c'est cool, mais euh, des plages de vitesse, j'en ai plein. Et là, on m'a rappelé un truc tout bête. C'est genre, mais au fait, oublie pas que Première, Première Pro, Première Rush, sont des outils de montage. Donc, si c'est du montage, tu coupes et tu mets ton effet derrière. Donc, une fois qu'on est là, je vais pouvoir lui dire, OK, à partir d'ici, on va lui demander de rajouter une étendue de section et on va refaire exactement la même chose. On va choisir donc sur la scène, à partir d'ici à peu près, je vais lui dire, vous voyez j'ai mon petit curseur, alors c'est très 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 discret. Détendu, là c'est ma tête de lecture. Donc je peux tout à fait lui dire ok à la tête de lecture, pouf, on va commencer à accélérer. Et maintenant je regarde à nouveau cette scène en entier. Donc je joue. Ici on accélère. Ça mérite un trépied, hein. ça mérite très clairement un trépied. Là, on accélère, on ralentit, on arrive sur la barrière, hop, on est encore accéléré, et puis on termine très rapidement. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais pouvoir lui dire, eh bien, à partir de cet élément-là, donc je peux zoomer un petit peu dessus, je vais lui dire qu'on va avoir un dégradé d'une demi-seconde, regardez bien comment mes barrières vont bouger, hop, et là, j'ai le ralenti. Et une fois que j'ai fini mon ralenti, eh bien, je vais pouvoir fixer le reste de mon contenu. Je vais venir faire la même chose au début de ma scène. Hein, C'est-à-dire que euh, bah déjà, je vais couper le, petit, le bout où je ne suis pas du tout stable. Voilà. Là, je, suis, là je, je commence à être bien. Je coupe. Celui-là, je peux le supprimer. Je vais pouvoir lui dire, hop, ici, on a ralenti. Et à partir d'ici... Donc vous voyez ma tête de lecture, check, je vais me caler ici, à partir d'ici on va accélérer, on va accélérer avec un dégradé, hop j'accélère, ici je vois descendre mes barrières, tranquillement, 3 secondes, hop, on accélère, mais je suis accéléré à 100%, donc c'est pas une vraie accélération, on va lui demander de se mettre à 500%. <laughs> Et là j'ai bien mon élément, ici je vais pouvoir virer la petite photo, c'était plutôt pour l'exemple. Et maintenant j'ai ma vidéo qui est prête. La barrière se baisse. Ça accélère, ça accélère, 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 accélère. Donc c'est là que je pourrais couper. Et là je pourrais lui dire, hop, là on prend le temps. Et on reprend la vidéo normale. Ça marche ça Designer et directeur artistique. Orientation, nouvelle orientation. C'est très bien ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà ce que je vais pouvoir faire avec Première Rush sur de la vidéo. Une fois que j'ai fait ça, vous remarquez que je suis en train de lui demander d'accélérer à 500 de la vidéo, c'est pas forcément hyper simple. Et puis surtout, dedans il y a un peu de son, mais pas vraiment. Donc je peux lui demander sur mes vidéos de prendre tout ce petit monde là. Je peux aller chercher en fait le traitement, euh, le traitement de l'audio de, la, de la vidéo. <laughs> Et du coup, je vais lui demander à l'intérieur de Première Rush. Regardez bien sur le côté. Alors, je pourrais prendre le temps de regarder les petites vidéos et de regarder à quoi ça correspond. Par exemple, développer l'audio pour voir la vidéo, pour voir l'audio précisément. L'audio pourra vous servir lorsque vous allez faire des montages vidéo à bien choisir, à bien caler les points importants. On aura ainsi le contrôle des pistes. Et moi, j'aime servir beaucoup du contrôle des pistes parce que je vais lui dire en fait, ma piste sont ici. Sur ce sujet-là, en fait, elle n'est pas utile. Donc, je peux la rendre muette. Je vais tout simplement cliquer là-dessus. Et je n'aurai plus d'audio dedans. Vous allez me dire, il n'y avait pas d'audio, Franck. Oui, je ne vous ai pas mis d'audio sur ce sujet-là. J'en avais jusqu'à présent. Et évidemment, je trouve ça plus, clé, plus, plus intelligent, plus malin de couper l'audio là-dedans. Donc voilà ce que je voulais faire avec vous là-dessus. Si j'ai besoin à nouveau de remettre de l'audio, petit plus, euh, je peux lui demander d'aller chercher du média, je peux lui demander d'aller revenir sur les différents contenus. Par exemple, on a des samples média, donc avec de la musique, et je peux lui dire, bah oui, on va rajouter la musique. Donc normalement, si je double clique il l'intègre, ajouter, voilà, copier média. Hop, je vais le mettre ici. Et je vais pouvoir lui dire, tiens, maintenant qu'on est arrivé au bout, hein, je peux soit naviguer tout seul, soit faire majuscule. Et du coup, il va se mettre juste au niveau des coupes. Et je vais pouvoir couper mon audio. Et je vais pouvoir lui dire, mais au bout, j'ai besoin tout simplement d'une transition. Et j'aimerais bien avoir une transition fondue enchaînée. Hop, ici. Allez bien. Et si je trouve que ma transition, que mon fondu enchaîné mériterait d'être un petit peu plus. de démarrer par exemple au moment où ma barrière est remontée, eh bien je prends la transition et je vais tout simplement l'agrandir. Et ici on va avoir la transition qui va venir baisser le son. La vidéo bug lorsque tu lis l'accéléré. Ouais, je sais, je sais que la vidéo bug lorsque je lis l'accéléré. Je suis en train d'essayer de lire du 1080 à 500 euh, <coughs> en 5, euh, 5 fois. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais pouvoir tout simplement lui dire que je vais le partager. Cette séquence, en fait, elle s'appelle <coughs> Barrière Train Japon. Pour ceux qui n'auraient pas deviné que c'était le Japon. Je vais l'enregistrer, non pas dans mes documents, mais sur le bureau. Je choisis cet espace-là. Et vous voyez que mon fichier, il fait 33 mégas je peux lui demander à vérifier dans les réglages avancés c'est une préconfig automatique euh, je sais que sur ma préconfig automatique et eh bien par défaut il laisse la taille, 1080 Full HD, je pourrais lui demander de le diminuer ou je pourrais lui demander de travailler en 4K. Je pourrais lui demander de changer la fréquence des images, je pourrais lui demander de travailler différemment l'audio, et je pourrais lui demander de changer la qualité. Mais je peux aussi choisir une préconfig, par exemple je sais que je veux du 1080 Full HD pour Facebook ou pour YouTube, je vais lui demander volontairement de choisir ces contenus là. Pour ceux qui font de la vidéo régulièrement, c'est le même type de réglage que ce qu'on obtient à partir d'Adobe Media Encoder. Donc ça, ça va être plutôt intéressant pour vous et on verra justement comment on peut se, se servir de ça. Ce qui va nous arriver par la suite, c'est que soit j'ai assez de matière pour pouvoir travailler sur mon fichier, soit je sais que je veux le poster directement. Par exemple, je suis youtubeur, j'ai besoin de poster les contenus rapidement, ou je suis Instagrammeur, je vais pouvoir lui dire, bah ok. Là, il me, il me prévient d'ailleurs. Attention, pour poster ma vidéo sur Instagram, vous le savez certainement, je peux plus facilement le faire directement depuis le téléphone. Donc d'abord sauvegarder le fichier et ensuite l'envoyer. Mais par contre, sur YouTube, quand je vais prendre YouTube, il va me dire, bah, vous êtes connecté en tant que Franck Payen, vous voulez le mettre dans... Telle ou telle autre liste de lecture, vous pouvez donner un titre, vous pouvez choisir la confidentialité, vous pouvez choisir de planifier et donc de dire à quelle date cette vidéo va apparaître, de conserver une copie du fichier sur votre ordinateur de bureau, et donc vous allez pouvoir partager tout ça. Ici, je ne vais pas m'embêter avec la partie partage, je vais juste l'enregistrer en local, je clique sur exporter, il est en train de faire le rendu des vidéos, et là évidemment il va travailler un petit peu là-dessus. Alexandre de... Ah oui, non, non, c'est pas du tout la vidéo sur iPad, c'est vraiment l'original qui est là. Une fois que j'ai fait ça, soit je lui demande de publier, soit tout simplement je vais lui dire que c'est terminé. Ici, petit moins, je vois le... Je peux conserver le contenu, je peux faire la lecture. Et je m'achèterai un trépied. Ça aurait été plus cool avec des vidéos de plongée, mais là j'ai que des, des voies ferrées au Japon. Donc, comme vous pouvez le voir, tout à l'heure j'étais en train de travailler sur de l'accéléré donc c'était pas évident en termes de, terme de playback. Et ici, quand je regarde maintenant sur le contenu, finalement ça se passe très bien et on n'a plus du tout la même, euh, la même problématique. Donc, ça c'est plutôt cool. Je peux fermer mon contenu, je peux terminer et je peux repartir sur ma vidéo. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, quand je regarde mon contenu, quand je regarde mes, euh, mon projet, eh c'est que euh, si je reviens sur ma page de Home, je vais voir les différents projets sur lesquels je travaille. Et ce que je vois dessus, c'est que par exemple, eh j'ai euh, le projet de dessin qu'on avait évoqué tout à l'heure. J'ai d'autres projets sans titre, euh, comme, le projet, euh, comme le projet de, de l'écran, qui est déjà arrivé entre les deux, donc qui a bien été passé. Entre mon téléphone portable et enfin ma, ma tablette et mon ordinateur, sur lequel je vais retrouver les médias que j'ai déjà shootés. Mais ce qui va être intéressant pour moi, c'est que je vais avoir le même concept dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais masquer première rush, je vais faire réapparaître mon première sur tablette, et cette fois-ci, depuis la tablette, et eh bien je vais me remettre sur ma page d'accueil, ma page de home. Je vais regarder un petit peu, euh, m'assurer qu'il est bien en train de charger, de recharger les différents projets, vous voyez qu'il est en train de, de rechercher. Et là, vous voyez que j'ai bien le projet train au Japon qui est arrivé. Donc le projet train au Japon est arrivé, je peux le lire. Alors il faut qu'il synchronise aussi les médias, je pense qu'il ne l'a pas encore fait pour l'instant. faut que je patiente un tout petit peu pour qu'il puisse synchroniser tranquillement ses médias hop média manquant média manquant média manquant normalement il est censé me les copier donc j'espère qu'ils vont arriver euh, très rapidement et une fois que j'aurai euh, retrouvé mes contenus eh bien je pourrai sans aucun problème compléter en fait les, euh, les différents éléments de fichiers ok ça me permettra notamment et eh bien quand je suis sur un projet particulier je suis en déplacement euh, je peux shooter à partir de mon téléphone et je peux lui demander eh bien d'envoyer les euh, de, je peux, je peux lui demander d'envoyer les sorties vidéo vers euh, vers première donc je vais pouvoir lui dire bah, ok là maintenant j'ai fait le j'ai fait la une grosse partie du travail j'ai besoin maintenant de pouvoir euh, de pouvoir faire l'export vers Instagram j'ai besoin de faire l'export sur YouTube tout à l'heure quand j'étais sur ma partie export sur la tablette et eh bien j'aurais pu tout simplement prendre le contenu et je peux lui demander à partir de ce contenu de partager, lui dire que ce que je veux partager, eh bien, c'est peut-être partager sur Insta. Donc, « Exporter la vidéo ». Il me fait le rendu de cette petite vidéo, je vous la montrerai tout à l'heure. Je ne sais pas si ça se voit, mais le petit renard est en train d'être colorisé au fur et à mesure. J'aurais pu prendre une vidéo plus courte, ça aurait été plus malin. Et une fois que j'ai fait ça, une fois qu'il a terminé son rendu, il me dit ok, ne verrouillez pas, je veux aller sur Instagram. Et donc, il me demande s'il peut ouvrir Instagram sur mon ordi. OK, etc. etc. Donc il faut que je sois connecté, gna gna gna. Mais c'est normal, c'est mon. C'est ma tablette et c'est pas mon téléphone portable. Ok Ça va pour vous ça alors, je vais vous montrer une autre fonction que j'utilise tout le temps, tout le temps sur Premiere Rush, sur l'iPad. C'est euh, quand j'utilise mon application de dessin favorite, qui en ce moment est Adobe Fresco. Je vous en reparlerai un jour. Eh bien, <coughs> quand j'utilise cette application pour le dessin, je m'en suis servi par exemple pour faire pas mal d'interviews. Je m'en suis servi pour faire des séries de des séri séries d'illustrations. Sur mes séries d'illustrations, j'ai une autre problématique. La problématique, c'est de pouvoir faire les différentes phases de mon illus. Par exemple, euh, tiens, dans le, dans le chat, dites-moi quelle est votre tortue ninja préférée. Il euh, y en a quatre, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo. Vous me dites quelle est votre tortue préférée. Et on va regarder justement comment je m'en suis servi. Par exemple, ici. J'ai un premier rush sur Michel-Ange, et quand je regarde le rush sur Michel-Ange, hop, vous voyez, je, ça démarre, je dessine, ça va vite, etc. Pourtant, si je prends cet élément-là, si je prends ce rush spécifiquement, eh bien, je vais me rendre compte que le rush de Michel-Ange, de départ, il est... il est où Il est là Quand je regarde le rush de Michel-Ange, je vais avoir une durée de rush qui va être très 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 différente. Euh, qui est 440. Pourquoi je t'ai pas. Tiens, je pas le rush de Michel-Ange. C'est étonnant, c'est dommage. Donc ce pas très grave. On va prendre un autre rush. On va prendre une autre tortue. J'ai un rush de. J'ai un rush de. de Raphaël, tortue rouge. Et je vais pouvoir lui demander deux trucs. Regardez ici. Je peux, comme tout à l'heure, sélectionner plusieurs rushs et les intégrer, les ajouter à ma timeline. Mais je peux aussi faire un truc beaucoup plus intéressant. Enfin, je trouve que c'est plus intéressant. C'est que je peux sélectionner une série de rushs. Donc, par exemple, je vais prendre la vidéo. Je vais prendre, le... je vais prendre la petite vignette finalisée. Et je vais lui demander, non pas de les ajouter, mais regardez bien ici. Je leur ai d'ailleurs demandé, parce que je trouve que ce petit bouton dans le coin n'est pas forcément le, le, le mieux placé par rapport à ce dont on a besoin. Hop, je vais disparaître. Disparaît Franck. Voilà. Je vais lui demander non pas d'ajouter, mais je vais lui demander ici de créer une nouvelle séquence à partir des rushs. Et donc créer une nouvelle séquence. Hop, il me fait une nouvelle séquence, je peux la renommer. Donc ici, ça va être AskE Pro du 030919 je crée ma séquence et il aura intégré mes rushs. Pourquoi est-ce que je vous montre ça Tout simplement parce que quand je suis en train de préparer mes séquences, quand je suis en train de préparer mes, mes sessions, il y a des tas de moments où je prends le temps. De euh, où je prends le temps de faire la vidéo, je prends le temps de faire le dessin. Ici, on est sur un time lapse accéléré. Je dessine pas à cette vitesse-là. Il a juste, euh, il a juste pris en compte chacun des traits de crayon que j'ai fait au fur et à mesure, et il a pris en compte les traits de crayon, mais il a aussi pris en compte les coups de pinceau, les éléments de couleur, etc. Vous voyez que ça continue de se déplacer, et il y en a pour une minute. Si vous avez fait un petit peu d'Instagram, si vous avez fait un peu de YouTube, de Facebook Live ou autre, vous savez qu'il y a certaines vidéos qui doivent avoir une certaine durée. Au-delà, Insta par exemple va couper la durée de la vidéo et c'est pas forcément super agréable d'avoir se... son contenu, d'avoir l'élément qu'on a mis en place qui est coupé. Du coup, ce que je peux lui demander, c'est par exemple, vous voyez que derrière il m'a installé l'image. L'image, quand je clique sur l'élément le... d'image et que je clique sur le petit bouton de vitesse, et eh bien il va me dire là, le clip fait deux secondes. Alors, en vrai, j'aimerais bien que la fin on le voit pendant trois secondes, 0, 0. Donc tab, tab, et j'ai 3 secondes 0,0. Et maintenant, ce que je sais aussi, c'est que sur Instagram, lorsque je veux faire un élément d'une story Insta, eh bien, il faut qu'il tienne sur 15 secondes. Si c'est une vidéo que je poste dans mon flux classique, eh bien, je vais pouvoir l'étendre jusqu'à une minute. Si c'est une vidéo Instagram TV, je vais pouvoir l'étendre jusqu'à une heure. Et je crois qu'il y a des différences selon les comptes référencés ou autres. Je suis pas spécialiste de la question. Maintenant, je peux prendre donc cet élément-là. Je sais que j'ai besoin de faire 15 secondes. Et là, j'ai déjà 3 secondes, donc j'ai le droit à 12 secondes. 12, 0. Et là maintenant, je vais pouvoir regarder ma vidéo. Hop. Et là vous voyez qu'il va beaucoup plus vite que 12 secondes finalement par rapport à ce que je fais dedans, c'est pas plus mal. C'est plutôt une, une bonne chose même. Et on va retrouver en fait toute cette petite partie-là. Ça vous va ça Ok donc, ce que je peux faire dessus, c'est que je peux aussi lui demander euh, là-dedans. Je trouve que ce qui était intéressant pour moi aussi, c'est que la partie, euh, la partie avec le line, elle est bien. Par contre, dès, qu commence, dès que je commence à m'attaquer au cercle, hop, là, euh, j'aimerais bien que ça aille un tout petit peu plus vite. Donc, je viens ici. Et je vais couper. Je prends ma paire de ciseaux, je coupe, et je vais lui dire ici, j'ai pas besoin de toute cette durée là. Donc je vais pouvoir encore augmenter la vitesse, par exemple 800%. Je vais lui demander de mettre un petit dégradé au début, comme ça ça dure plus qu'une seconde sur la fin, et je vais pouvoir lui dire, ok, là on est bien, check, et on accélère tranquillement. Le dégradé, il a peut-être pas besoin de durer autant. Là, on va le mettre à 0,2 secondes. Et on va accélérer à partir d'ici. Voilà. Et vous voyez que du coup, j'ai encore gagné du temps. Donc là, j'avais 3 secondes. Ici, j'ai 1,25. Donc j'ai euh, 4,25. Et là, du coup, je peux lui dire, bah, maintenant, on peut aller jusque 10,04. 10 secondes, 0,4. Et en permanence là-dedans, moi, je contrôle deux choses. La position de la tête de lecture, juste à côté, la durée de ma séquence. Et comme ça je saurai que j'ai ma séquence sur la bonne durée, que je me focalise sur les points qui sont intéressants pour ma vidéo. Par exemple, si je fais un focus sur le rush, bah, j'ai besoin qu'il soit rapide. Peut-être que sur la partie couleur, j'aurais pu m'arrêter spécifiquement et j'aurais pu ralentir encore certains éléments. Ça vous va ça Ouais Ok. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai fait mon test Asc Pro j'ai plus qu'à lui demander de partager l'ensemble et de l'enregistrer sur mon bureau ou de le diffuser directement sur mon poste Beyond. Je vais exporter donc, le test. Il va être fait sur le bureau. Hop, ralenti, affiché dans le Finder. Et donc j'ai bien donc, sur le bureau... Donc, alors je ne l'ai pas mis sur le bureau, j'ai mis sur le dossier. Document. Je vais mettre les deux sur le bureau, ils seront bien. Là j'ai une vidéo qui fait exactement la durée qui m'intéresse et qui me permet, euh, qui vous permet de voir en fait l'ensemble des, euh, des petits détails, le type de mise en couleur, etc. là-dessus sur les tortues. Voilà. Ça vous va ça Alors une fois que j'ai terminé ça... Si euh, je vais pouvoir reprendre en fait une partie, je vous avais dit, je vais vous donner des explications autour de Première Rush. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est que effectivement, donc sur cette version-là, on a fait un gros travail sur le fait d'accélérer ou de ralentir les vidéos. On a vu que je pouvais ralentir des vidéos live et que souvent j'aurais tendance à accélérer mes vidéos de time, euh, de time lapse, de dessin. Ce qui sera intéressant pour nous, c'est qu'en fait, je vais pouvoir prendre et eh bien mon projet, euh, mon projet Première Rush. Qui est présent ici et je vais pouvoir lui demander euh, éventuellement alors ça c'est un truc qui, dont j'ai besoin moi tout le temps c'est que je peux lui demander d'avoir un projet qui soit euh, désactivé en termes de synchronisation et qui soit présent ou absent sur ma tablette par exemple je vais retourner sur rush sur tablette ça c'est un truc dont vous risquez d'avoir besoin un jour. Moi je sais que j'en ai besoin surtout sur le, le téléphone portable. C'est que quand je regarde en fait ce projet-là, le projet Train Japon, par défaut, j'y ai accès. Je lui ai demandé de le lancer, je lui ai demandé de regarder ce qu'il y avait dessus. Par contre, si je regarde sur la Home, je peux lui demander ici de supprimer du périphérique. Et là, vous allez voir que l'icône va changer. Ce n'est plus une icône de nuage avec le téléphone, c'est une icône qui est uniquement l'icône de nuage. Donc mon projet existe, pareil ici, je vais le supprimer du périphérique et je vais pouvoir le rajouter par, euh, par la suite quand j'en aurai besoin. Celui-ci, je vais même le supprimer de partout. Donc si je le supprime de partout, il me dit attention, tu le supprimes, tu ne pourras plus y avoir accès pour pouvoir retravailler par la suite. Et quand je vais retourner sur mon premier rush euh, ordinateur, eh bien, je retrouve donc sur le sur rush ordinateur qui est où Premier rush, fenêtre, plein écran, voilà, qui est là. Euh, je retrouve bien mon projet de train Japon, mais je ne vais plus retrouver. Le projet qu'on venait de créer euh, entre temps. Donc il va y avoir quelques petits trucs à prendre sur les petits symboles qui sont là, et ça ça va être assez euh, pour moi assez intéressant. Enfin dernier point puisque euh, l'important pour moi eh bien c'est de pouvoir échanger sur mes différents projets, c'est que je vais pouvoir utiliser Premiere Pro. Premiere Pro CC 2019 donc la dernière version sur laquelle je, je travaille. Euh, et je vais pouvoir lui dire, bah oui, mais voilà, j'ai fait une partie du boulot, mais quand je regarde l'export du train Japon, c'était pas mal, mais, très clairement, ça méritait un bon coup de stab dessus. Parce que j'ai quand même pas mal bougé, j'avais pas de trépied, je suis pas vidéaste, euh, et c'était un peu sur le vif. Ce qui va être cool pour nous, regardez bien ici. Pour les utilisateurs de Première Pro, c'est que vous savez, vous pouvez créer un projet, ouvrir un projet existant ou travailler sur différents projets que vous aviez mis en place ici. Regardez là, ouvrir un projet Première Rush. Je me retrouve dans une interface dédiée à Première Rush et je vais pouvoir lui dire bah écoute, ouvre-moi le projet Train Japon. Et quand je lui dis de m'ouvrir le projet Train Japon, il va ouvrir le projet. il va me dire attention il y a certains projets qui sont pas forcément prédéfinis etc ok pas de problème on va voir un petit peu comment ça marche et je vais pouvoir regarder mon contenu là je suis complètement à l'intérieur de Premiere Pro. Hein. Je le vois, je le reconnais bien d'ailleurs parce que dans Premiere Pro, je vais avoir toutes mes pistes audio, etc. Alors, un petit truc, euh, je peux lui demander clic droit ici, ou clic droit là, pardon, ou là-dedans. Réduire, développer, personnaliser. Où êtes-vous Là-dessus Voilà, là dessus. Il y a beaucoup de petits menus à l'intérieur de première. Donc, parfois je me foire et je cherche un petit peu. Je peux lui demander en fait de supprimer certaines pistes audio. Et je ne sais plus où je le fais. Est-ce que ça se place là-dedans Voilà. Supprimer les espaces vides, ça je peux le faire. Et supprimer les pistes audio vides, supprimer les fichiers de rendu. Tut tut Zut Je ne vais pas réussir à retrouver... Voilà, supprimer des pistes. Voilà, c'est ici. Donc dans séquence, tout en bas, supprimer les pistes. Je peux lui demander de supprimer les pistes vides en vidéo et en audio. Ok, check. Comme ça, il ne me reste plus que mes pistes de travail. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai préparé mon contenu, je peux lui demander maintenant que je suis à l'intérieur de Premiere Pro d'aller chercher euh, un stab, hop, stabilisation, check, déformation, et je peux lui dire, bah tiens, on va mettre de la stab sur ça, vous voyez, ça tourne et c'est un peu bizarre. Je vais pouvoir le prendre, je vais pouvoir le poser sur mon rush. Il me dit qu'il ne peut pas faire de déformation temporelle et de stabilisation en même temps, c'est pas très grave. Je vais tout simplement prendre la séquence. Je vais lui demander de créer une... Euh, de l'imbriquer. Check. Et une fois que j'aurai imbriqué cette séquence, du coup il n'y aura plus d'effet. Donc il va analyser la séquence en cours et il va me faire la stabilisation sur quelques images. Normalement il n'y en a pas beaucoup. Où es-tu étape de stabilisation? Voilà. Il y a 90 images sur 155 qui sont déjà passées. Ok. Là il a presque fini. Il a fait l'analyse, il fait la stab. Maintenant je peux regarder ce plan. C'est beaucoup plus flottant, mais c'est beaucoup plus cool. Donc vous avez vu comment je gérais mon plan. Clic droit dessus, imbriqué. OK. Clic droit dessus, imbriqué. OK. Et là-dessus, je vais pouvoir prendre mon effet de stab, copier. Je vais venir ici, je vais coller l'effet de stab. Et je vais venir ici, je vais coller l'effet de stab. Maintenant, il est en train d'analyser l'élément. Le... Et je vais faire pareil ici, analyser. Et je vais le laisser tranquille. Il est en train de travailler en arrière-plan, et c'est un des gros avantages de Premiere Pro, c'est qu'il fait des tas de choses pour nous en arrière-plan. Il bosse, il prépare, il calcule, etc. Et ça me permet de continuer mon montage et de pas m'occuper de tout ça. Voilà. Euh, Est-ce que c'était des choses auxquelles vous aviez déjà eu l'occasion de, enfin, avec les, sur lesquelles vous aviez déjà eu l'occasion de travailler Est-ce que c'était déjà des points que vous aviez vus sur euh, sur Premiere euh, voilà, si vous avez des questions, c'est peut-être un peu le moment de les poser avant de rendre l'antenne. Il me reste une petite minute. Voilà, là il est en train de stabiliser la deuxième image et il a stabilisé celle-ci. On va pouvoir regarder. Là il a stabilisé aussi, c'est quand même beaucoup plus cool. Est-ce que ça vous plaît tout ça Je prends ma piste, SHIFT U, CTRL U. On est bien là, non Voilà. Bien, et eh bien sur cette image du Japon, dont je vous reparlerai très bientôt, parce que figurez-vous que on va parler encore des différents... Euh des différents contenus etc hop voilà shift U euh, je reviendrai la semaine prochaine pour vous parler et eh bien du hop comme je vous l'ai dit Hachi Oji. pour vous parler de ça on va parler des robots on va parler de nourriture japonaise on va parler aussi de développement de photos euh, je vais mettre juste sur cette photo là parce que je l'aimais bien Check et là, donc, on a fait le tour de Premiere Rush, qui est disponible sur téléphone, qui est disponible sur tablette, qui est disponible sur ordinateur de bureau, et surtout qui est un complément à Adobe Premiere Pro. Et donc, si vous voulez plus de sujets là-dessus, plus de contenu, vous savez que vous avez sur la chaîne YouTube Adobe France directement, donc, euh, que ce soit sur la page d'accueil, vous avez les différents tutos qui sont présents, mais vous avez aussi euh, à cet endroit-là la petite loupe pour demander par exemple si je tape rush, et eh bien je vais voir tous les sujets. Que, euh, on a déjà réalisé sur rush vous pourrez voir les sujets sur l'interview vous pourrez voir les sujets sur le lien entre lightroom et rush vous pourrez retrouver l'idée le, de faire du, unbo du unboxing de faire un vlog, de traiter la vitesse, etc., etc. Il y a plein de petites choses qu'on va pouvoir faire à l'intérieur de Rush, et notamment bah, le fait de pouvoir créer des titrages à l'intérieur de Rush, des titres et des sous-titres dans Premiere Pro ou dans Premiere Rush. Donc fiez-vous euh, à votre recherche là-dessus. Rush sur la chaîne YouTube Adobe France. Pour les nouvelles fonctionnalités, vous les avez sur le site Adobe.com. Vous retrouverez les contenus. Et puis, euh, d'ici là, n'hésitez pas. Dresda me dit Adobe Rush. Oui, Adobe Rush, Adobe Première Rush. Voilà. Tapez juste. Enfin, euh, si vous écrivez intégralement Adobe Première Rush, vous aurez tout. Et si vous écrivez que Rush, normalement sur le site Adobe, vous devriez trouver. Voilà, et eh bien euh, merci beaucoup à tous, merci aux uns et aux autres, merci à Alexandre d'avoir pu euh, partager quelques liens et répondre aux questions des uns et des autres. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine, on parlera de photos avec Lightroom et on parlera de motifs euh, à l'intérieur d'Illustrator et de Photoshop. D'ici là, bonne fin de journée, travaillez bien et à très bientôt!